Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous reviens, on continue. Ici, je vais vous montrer pour le petit rabat qui va par-dessus ici avec les aimants. Mais je vais vous faire la bande finalement parce que là, je ne l'ai pas faite. Je vais trouver une bande suffisamment longue. Voilà une. Alors, la bande qui va se rabattre par-dessus, tout simplement la même largeur que votre page. Et puis, vous allez faire une ligne de pliure. Alors, vous allez placer votre bande tout juste à l'intérieur du pli. OK? Et puis, vous allez faire une ligne de pliage. Où est-ce que vous arrivez de pliure? Où est-ce que vous arrivez sur le côté ici? Et puis, vous gardez une couture. Je vais couper ce morceau. Alors, faites ça les cinq pages. Ceci. Voilà, j'ai la hauteur de ma page. J'ai la largeur dont j'ai besoin pour abattre ici. Et puis, j'ai une couture. Je vais faire ma ligne de pliure. Et ma marque. Je vais biseauter la couture. Puis je crois qu'elle est peut-être un peu trop large. Si elle est trop large, je pense que ça va peut-être encombrer le fermoir. Alors je vais en enlever un peu plus. Vous gardez maximum 1 cm. Alors on plie. Moi j'arrondis mes coins. Alors je le fais avant de l'installer parce qu'après ça c'est difficile, on n'a pas d'accès. Je fais l'arrondi, ça va être fermé. Je vais mettre la colle sur la couture. Alors, sur l'extérieur, la colle est toujours raide le matin. Alors, un peu de colle, mais un peu partout. Et là, on va coller tout juste sur le côté. Surtout pas à l'intérieur. Alors, quitte même à aller à 1 mm à l'extérieur du bord de la page. Parce qu'on va aller chercher tout ce qu'on peut avoir pour fermer. Ça ferme bien. Sinon, ça faisait ça voulait accrocher. Ça va fermer comme ceci. Alors là, j'ai mes deux rubans adhésifs à deux faces que j'ai mis. Alors, là, j'hésitais entre les petits et les gros. Alors, les petits 4 mm ou les 8 mm. Et puis, les 4 mm, je crois que c'était un peu trop... il y avait trop de tension ici. Faut que ce soit quelque chose qui se ferme, qui n'a aucune tension. Qui soit plus loin du pli. Alors, je vais devoir aller avec les 8 mm. Alors ça veut dire que ça va m'en prendre plusieurs. C'est 4 par page. Ça va être 20 aimants. Juste pour les fermoirs de doublure de page. Alors ça, c'est une doublure de page qu'on peut faire. Sinon, on peut tout simplement la plier à l'intérieur pour renforcer le papier avant de coller votre doublure de page, comme je fais à l'habitude. Et puis, vous n'avez pas ce petit rabat et vous n'avez pas les aimants. Alors, ça fait une doublure de page qui est ouverte finalement. Moi, je vais faire différent un petit peu. Alors, vu que j'ai une bonne quantité d'aimants, je vais en profiter. Comme ceci. Ensuite, je mets mon ruban adhésif de l'autre côté. Vis-à-vis des aimants. Ici, ici probablement. Alors, au centre de la bande, c'est l'idéal. Ici. Et puis, on ferme comme ceci. Là, ça fait une bosse ici, mais quand ça va être tout maté de papier design, les deux côtés, alors là, ça va être bien droit, bien raide, vous allez voir. J'ai déjà fait, puis ça fonctionnait bien. Bon, alors ça, c'est ça. Maintenant, l'interaction pour la première page. Alors, comme je vous dis, je l'avais faite, puis il y avait quelque chose, une erreur que j'avais faite. Alors, j'ai décidé de refaire la vidéo. Mais, je vais vous donner quand même les mesures. Alors, tout ce qu'il y a de fait à date, c'est qu'on a une grande bande qui est environ 3 ou 4 mm ici et ici. Plus étroite que la page, parce que la page arrive ici. Alors, il y a comme 4 mm ici, 4 mm ici. Alors, on peut laisser 8 mm moins large que la page. Et puis, la hauteur plus une couture en haut et en bas. Alors, vous tracez les lignes de pliure vis-à-vis la hauteur de votre page. Vous rabattez derrière et vous collez. Alors, mettez la colle à l'extérieur des coutures et vous collez à l'intérieur pour faire une bande comme ceci. Là, j'ai mis un papier à l'intérieur parce que on a une carte qui va coulisser et puis elle accrochait dans les coutures. Alors, vous pouvez mettre un papier, juste un papier normal, papier à imprimer.
juste pour faire pour couper, faire une pente plutôt qu'une marche finalement, qui sur le dessus de la couture du papier cartonné, parce que la carte butait puis ça ne fonctionnait pas. Alors, puis le faire. Peut-être que du fait que je vais corriger mon erreur que j'avais fait, j'avais oublié de laisser des goussets dans la carte qui va glisser. Peut-être en ayant des goussets, peut-être que ça n'arrivera pas, mais bon. Moi, j'ai décidé qu'en même temps, ça fait plus joli, parce qu'on va le voir. Alors, j'ai décidé de mettre un papier cartonné, mais quand même pas très épais, 160 grammes, juste pour aller mater à l'intérieur. Et tout ce que j'ai fait, c'est seulement une ligne autour. C'est pas nécessaire de mettre de la colle au centre. Plus que vous mettez de la colle, plus ça va être difficile d'entrer. Ça va coller avant de se rendre à l'autre bout. Alors, juste une ligne de colle tout le tour. Peut-être un petit zigzag à l'intérieur, c'est tout. Et puis là, vous l'entrez par ici. Et puis, vous allez le coller. Presser avec votre plioir. Là, j'en ai un autre ici. Là. Vous allez aller presser avec votre plioir à l'intérieur. Ensuite, celle-ci, ignorez-la pour tout de suite. Alors, j'ai ici deux morceaux de papier. Alors, moi, ma bande ici, elle mesure la largeur 17 cm exactement. Alors, ça donne 6 pouces et 1 16e de pouce de moins que 6 pouces 3 quarts. Alors, tout juste une ligne avant le 3 quarts. Alors, ça, c'est la largeur. Puis, c'est important de ne pas la faire plus large. Et puis, plus étroit, ben, ça pourrait aller, mais là, on verrait trop de pages. Bon, ça fait des espaces photos plus intéressants si on le fait vraiment de cette largeur-là. Alors, ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai taillé un papier qu'il faut qu'il soit, bon, la hauteur que vous voulez. Pourvu, moi, je dirais peut-être un peu plus que la moitié de la page. Ici. Oui. Un peu plus que la moitié, si vous voulez, que la hauteur de la page. C'est ce que j'ai fait. Et puis, la largeur de cette coulisse, ici. Plus une couture chaque côté. Alors, je vous donne la mesure. Alors, total, moi, j'ai 20.7 par 12.5. Alors, en pouces, ici, j'ai 8 pouces et 1 huitième par 5 pouces. Okay. Alors, j'ai tracé mes lignes ici pour la limite de ma bande coulisse ici. Je vais faire des lignes de pliure. Un petit peu ici, je ne l'ai pas correct maintenant. Alors, une ici, une ici. Ah oui, c'est ça. Alors, on va faire un tout petit peu plus large finalement. Okay? Alors, ajouter 1 mm de plus. Je vais faire celle-ci tout de suite. Les deux ici. Alors, finalement, à l'intérieur, j'ai 17. Alors, mettez-le à 17 cm. 7 pouces 6 pouces 3 quarts exactement. Là, ce qu'on va faire, ce que j'avais oublié à l'autre vidéo, c'est qu'on va se faire un gousset d'environ 3-4 mm. Alors, j'ai mis 4 mm. C'est un petit peu plus qu'un huitième de pouce. Okay. Les deux côtés. Et vous la faites, cette ligne, dans la couture. C'est pour ça que j'avais laissé une bonne couture chaque côté. Alors, 4 mm dans la couture ici, ici. Puis, il vous reste encore une belle couture là. Alors, je vais effacer mes marques. Là, je vais plier les deux plis. Je vais biseauter mes coins. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'entrer à l'intérieur, derrière la bande coulisse, par-dessus mon papier blanc ici. Alors là, si on plie ici, ça nous fait une belle carte qui coulisse bien comme ceci. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit se tailler un morceau qui est, attendez un petit peu, c'est pas lui, c'est ici, qui est la largeur de la coulisse finalement. S'il était un petit peu trop large, je l'avais fait trop large au départ, là. Je m'en avais un petit peu. Alors, tout juste le 17 cm, même 1 mm de moins. Le 6 pouces 3 quarts, 1 mm de moins. Okay. Même hauteur que la bande qu'on a dessous. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la coller. Alors, je vais mettre de la colle sur
m'excuse, c'est noir, là. Sur l'intérieur de la couture de ce qu'on vient de glisser derrière. Ceci. Alors, je vais placer bien vis-à-vis ici. Il faut qu'on voit le pli du gousset. Puis, je vais le placer comme ceci. Mais on a besoin de mettre quelque chose derrière parce qu'on ne peut pas appuyer. Je mets une règle derrière. Comme ceci. Alors, je peux vérifier. Là, je le fais ici, mais je ne pourrais pas le faire quand je vais de l'autre côté, là, d'aller voir à l'intérieur. Et puis, on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, je vais mettre la colle sur l'intérieur de la couture. Il faut s'assurer que ça plie bien. Oui, ça plie bien. Alors, je mets encore ma règle derrière. Si vous avez une règle un peu plus épaisse que la mienne, ça va être parfait. Ça va être mieux. Essayez de bien centrer à l'intérieur de la hauteur de votre page. Et puis, avec un gousset bien perpendiculaire ici, avec la table. Bon, ça va être beaucoup mieux que ce que j'avais fait avant. Alors, ça glisse comme ceci. Et comme ceci. Alors, une fois que c'est fait, là, on va poser les rabats ici. Alors, les rabats, alors vous mesurez la largeur de votre bande de coulisses. Même chose. Et puis, une fois que votre carte est en bas, essayez de laisser environ 4 mm d'espace. Vous calculez la hauteur plus une couture. Pas de gousset. Alors, moi, ce que ça m'a donné, c'est la largeur est, comme je vous disais, la même chose que la coulisse, alors 17 cm ou 6 pouces, presque 3 quarts, une ligne en bas de 3 quarts. La hauteur de la carte en tant que telle, 4 pouces et quart ou 11 cm plus une couture. Alors, vous en taillez 4 comme ça. Alors, vous allez en coller une ici à la base, comme je vous dis, à peu près à 5 mm en haut de la coulisse. Et puis, vous allez en coller une autre en haut. Alors, c'est là que j'étais rendue à l'autre vidéo. Quand je me suis aperçue que ça ne fonctionnait pas. Je n'avais pas laissé de gousset dans la carte glissante. Alors, elle ne pouvait pas contenir tout ce qu'il y avait dessous. C'était serré. Alors, ici, bien égal. Alors, il faut que votre carte qui est en haut soit plus petite, minimum 1 mm plus petit que l'espace qui vous reste pour la coller. Ça peut se fermer. Ensuite, vous faites ceci. Et vous en faites deux autres, pareil, même chose. Et vous les collez. Même chose, une en haut, une en bas. Ça devrait être le même format. Alors, je vais me laisser environ 3-4 mm. Bien aligné ici. Ça dégage ici pour que ça puisse ouvrir comme ceci après. Si vous mettez trop près de la coulisse quand elle est au maximum en haut ou maximum en bas quand vous posez les cartes d'en haut, à ce moment-là, ça va être trop proche. Et puis, ça ne vous doit pas ouvrir comme ça, ça va faire. Ça va appuyer sur la coulisse. Alors, vous faites ça. Et puis, la dernière, même chose. Vous êtes. Alors, ça donne énormément d'espace photo. Sur la carte qui glisse, vous pouvez faire une interaction si vous voulez. Mais. Là, je vais arrondir mes coins. Puis moi, j'aime bien avoir la carte qui est collée sur le centre, pliée après. Que ce soit plus facile à coulisser, plutôt que d'avoir la carte ici. Puis là, on cherche à entrer les coins. Alors, vous fermez celle qui est à l'extrémité, soit en haut, soit en bas. Ensuite, celle-ci. Ensuite, vous pouvez glisser la carte, puis ouvrir l'autre. Même chose, ceci comme ceci. Et puis, pour barrer tout ça, bien, la carte, vous la positionnez au centre. Puis, si vous voulez, vous pouvez faire un onglet ici. Alors, avec un poinçon, je vais toujours faire un petit onglet. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Ça va faire joli, puis ça va montrer que c'est notre doigt qui va là. Ça va être plus facile à pousser. Parce qu'on va avoir l'emprise ici, plutôt que de chercher, quand elle est sur le côté, chercher où est-ce que c'est qu'on pousse. Parce qu'on a l'autre carte dessous, alors on ne sait pas trop sur quoi pousser. Alors, je vais chercher le centre, puis je vais faire un petit poinçon, juste pour dire, pour un doigt. Puis, vous pouvez mettre ce que vous voulez ici. Alors, moi, je vais probablement mettre un accordéon, quelque chose comme ça. Il faut que je me garde un endroit pour mettre mes petites cartes. Alors, il faut que j'ai un endroit avec une pochette pour mettre mes petites cartes de journaling ici. Petites cartes là. Je vais
calculer dans ce sens. Puis, il faut que je me garde un espace aussi pour mettre ces petits capuchons de bouteilles, finalement. Alors, je vais le mettre quelque part ici. Alors, le matage, c'est simple. C'est vous matez tous les espaces, tout simplement. Puis, je vais arrondir tous les coins. Alors, voilà, c'était ça. Finalement, je l'ai fait mieux. J'ai repensé. Enfin, je la faisais comme pour la première fois. Alors, c'était difficile de la faire correctement. Tout ce qui me manquait, c'était les goussets ici. Alors, c'était pas une grosse chose. J'aurais dû y penser, parce que je sais, quand j'ai des cartes glissantes, hein, il y a toujours un gousset. Alors, voilà, ça, c'est notre première page. Alors, je vous reviens pour la deuxième page dès demain. Et puis, je vais réfléchir. Et puis, probablement, je vais faire la montagne. Puis, j'ai une idée de quelque chose de différent. Alors, vous allez voir demain. On va faire la montagne, mais double page. Double montagne. Alors, à demain. Merci. Bye-bye.